sortez. C'est quoi la cérémonie laïque? Pourquoi on la fait et quand? Je vais vous dire tout dans cette vidéo. La cérémonie laïque, déjà, quand on la fait, la plupart du temps, les gens se marient à la mairie en journée ou bien avant. C'est un peu comme, ça vient remplacer l'église pour les chrétiens et la mosquée pour les musulmans. Donc, la cérémonie laïque est beaucoup plus pour les païens. Les païens qui ont quand même envie de porter les robes grandes comme celles qu'on porte la plupart du temps quand on va faire le mariage religieux. D'où la cérémonie. Moi, particulièrement, j'ai déjà assisté à 3 mariages avec 3 cérémonies laïques. Ici en Europe, c'est la cérémonie la plus répandue en fait. Parce qu'ils ne sont pas très chrétiens. Donc, ils la font. Il y a aussi des personnes qui font la cérémonie laïque après un pax. Genre, tu es paxé, tu sais que tu ne vas jamais te marier à la mairie parce que ça ne te dit pas, ça ne dit pas à ton conjoint. Et tu tiens quand même à porter ta robe. Tu fais ta cérémonie laïque. Il y a des personnes paxées qui ont fait leur cérémonie laïque. Donc, tout est possible. On peut faire la cérémonie laïque après l'état civil. Comment on peut faire la cérémonie laïque après le pax? Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu les gens se lever, aller faire la cérémonie laïque sans avoir signé ni l'acte ni le pax. On est d'accord? À bisous.